Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons à Mayotte à la découverte du poulpe et de la papaye. Nous rencontrerons Zainabou, entourée des autres femmes de son village, pour une pêche au poulpe traditionnelle mais très mélodieuse. De son côté, Mousslim nous fera vivre la culture de la papaye sur cette belle île de l'océan Indien. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Située dans l'océan Indien à l'entrée nord du canal du Mozambique, l'île de Mayotte se place entre le continent africain et l'île de Madagascar. D'une superficie de 374 km², cette ancienne colonie est depuis 2011 le 101e département français. La population, estimée à 200 000 habitants, est majoritairement jeune et de confession musulmane. Si les Mahorais parlent encore largement le français, la langue principale est le chimaoré. Vieille de 8 millions d'années, Mayotte est composée de deux îles principales appelées Grande Terre et Petite Terre. Elle arbore les traces anciennes du volcanisme ainsi que de nombreux massifs érodés. Les côtes, très découpées, forment des caps de presqu'îles et de baies profondes bordées de mangroves. À l'est, sa double barrière de corail de 180 km en fait une zone d'observation exceptionnelle et un immense aquarium naturel qui possède parmi les espèces les plus incroyables et rares du monde. Ce coin de paradis, aussi appelé île au lagon, est un lieu où les traditions ancestrales sont encore très présentes. Son chef-lieu administratif est situé à Dzaoudzi, mais l'activité économique est concentrée autour de Mamoudzou, l'une des zones les plus urbanisées de l'île. Sur l'un des marchés de Mayotte, Mousslim Payé vend les fruits qu'il cultive et transforme au sein de son entreprise. Parmi eux, la papaye. Ce fruit est la chair allant du jaune au rouge vif, au goût sucré et aux vertus diurétiques. Au nord de l'île, sur la plage de Mtsahara, Zainabou Faki pêche le poulpe dans la plus pure tradition mahoraise. Ce céphalopode, reconnu pour son intelligence et sa mémoire, est très apprécié dans différents mets emblématiques de Mayotte. Ce matin, sur la plage, en compagnie d'autres femmes mahoraises, Zainabou vient chasser le poulpe. La pêche débute par un chant en chimaoré, une tradition typique de Mayotte. Ça, c'est la chance traditionnelle. Avant, là-bas, les arrière-grands-pères et grand-mères, quand ils vont pêcher, ils chantent d'abord cette chanson-là avant de partir. On dit en maoré, milamé, en français, on dit quand on sort, on chante, quand on entre, on dit bonjour. C'est comme ça, oui. Cette pêche, autrefois pratiquée par ses ancêtres, se fait à l'aide d'un bâton servant à déloger le poulpe. Une méthode manuelle sans danger pour l'habitat de cet animal pouvant atteindre jusqu'à 10 kg. En guise de cachette, ce constructeur se confectionne une tanière de cailloux que Zainabou sait facilement repérer. Oh, regarde là, je pense qu'il y en a un. Il y en a là parce qu'ici aux alentours, il a décoré sa maison. Et je regarde s'il est là ou pas. Oui, il est là, je le vois. Il est là. De la même famille que les pieuvres, sèches et calamars, le poulpe possède près de 200 ventouses sur ses 8 tentacules. Elles lui servent à la fois à paralyser ses victimes, mais aussi à sentir son ennemi. Ce céphalopode aime les crabes, les langoustes et les coquillages. Il est un chasseur réputé qui possède la capacité de changer de couleur pour tromper ses proies et ses prédateurs. Oui, ça on l'enlève. On ne le mange pas. Peut-être c'est ici. Il y a ses yeux, les deux yeux, l'un il est ici et l'autre ici. Vous voyez, c'est une coco, c'est une fille. La pêche, fermée plusieurs mois par an pour permettre la reproduction de cet animal, est toutefois encore pratiquée de façon excessive et parfois brutale, en cassant les coraux et en abîmant l'habitat du poulpe, le faisant petit à petit disparaître.
Quand j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui casse le coraux, je le sortais, je le fais sortir de ne pas pêcher. Parce qu'on ne veut pas qu'on casse le coraux. Quand on casse le coraux, là, il y a les poulpes qui ne peuvent pas avoir des maisons. Je l'explique comme ça. Et s'il n'a pas bien entendu, je fais un PV, je l'envoie à Parc Naturel Marin. En luttant pour la conservation des traditions et de la faune locale, Zainabou s'inscrit dans la lignée des acteurs qui font perdurer ce que des générations ont jadis respecté. C'est aussi le cas de Mouslim, qui travaille depuis tout jeune sur cette exploitation. En 2002, il arrête sa fonction de maire pour se concentrer exclusivement à l'arboriculture et crée en 2008 son entreprise, les Vergers de Mayotte. Il cultive différents fruits exotiques et typiques de Mayotte, dont la papaye. Il possède plusieurs types de cette baie savoureuse, plus ou moins grosse en fonction des variétés. Les plus grandes, destinées principalement à la transformation, ont une chair ferme et jaune et peuvent aller jusqu'à 2,5 kg. Les plus petites, dites papayes solo, ont la chair rouge et sont plus adaptées à la consommation. La différence, parce que bon, les petites, elle est très sucrée. C'est la variété des papayes qu'on trouve en métropole, dans les rayons. Moi, je n'ai jamais vu les grosses papayes là, dans les rayons en France. Ce fruit provenant du Mexique est riche en fibres, en vitamine C et se révèle peu calorique. Voilà. La semence des graines de papaye s'effectue à la saison des pluies, entre octobre et décembre, et la récolte à partir de septembre. Cette année, la récolte bon, des papayes, tous les fruits, n'était pas bonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une perturbation du climat. Ici, il a commencé à pleuvoir au mois de février. Bon, c'est à cause du climat en Mozambique, on nous a dit ça. Ça a perturbé la production. Le papayer mesure entre 3 et 7 mètres et produit dès la première année, ce qui en fait un arbre facile à faire pousser. La difficulté principale dans la culture de la papaye est un lémurien friand de ses fruits, le maquis. Aussi appelé komba en chimaoré, cette espèce protégée provient de Madagascar et fut importée par l'homme dans les îles Comores il y a fort longtemps. J'ai planté des papayes, mais j'ai mis des ananas. Comme ça, ça empêche les maquis de se rapprocher. Quand il descend, il va rencontrer les épines là, ça les empêche de monter sur les papayes. Donc c'est cette façon-là que j'ai fait pour protéger mes papayes. Mouslim, président de la Chambre d'agriculture de Mayotte, s'obstine à cultiver dans le respect de l'environnement et n'utilise donc que des apports naturels et biologiques pour ses arbres fruitiers. Les feuilles que je mets sous les papayers là, ça pourrisse, ça pourrisse, et puis ça fait de l'engrais, c'est-à-dire ça joue le rôle de l'engrais. Vous voyez, hein? Voilà. Tous les papayers là, vous voyez, hein? Tous les papayers, il y a de la paille comme ça au pied, ça fait de l'humidité, et puis ça pourrisse, ça fait de la matière organique. En plus du paillage, il met des écorces de coco pour alimenter son sol. Une technique peu onéreuse et selon lui très efficace. Ce respect de la nature, Zainabou y participe aussi avec son association Jarifa de Mtsahara. Elle met en œuvre différents moyens pour conserver la plage qu'elle connaît depuis son enfance et que ses ancêtres ont arpentée pendant des générations. Là, on ramasse les déchets. Parce que quand le marais est haut, là, il ramasse tout ça et les amène en bas. Et ce n'est pas bien pour les coraux. En plus de nettoyer la plage, Zainabou et son association effectuent parfois des opérations de sensibilisation. Aujourd'hui, elle explique aux élèves de l'école élémentaire de Mtsahara l'importance du respect de l'environnement. Il ne faut pas jeter des canettes. Des fers, on ne faut pas les jeter. Quand on l'a jeté, la pluie, quand il tombe, on les amène tout à la mer. Et il y a, c'est le langa qui les casse. Vous avez compris? Maintenant, c'est nous, mais demain, c'est eux qui va aller à la pêche. Et là, ils commencent à comprendre. Parce que des fois avant, là, les enfants pêchaient au bord de la mer ici des petits poissons. Et maintenant, ils ne les pêchent pas, ils les laissent grandir. Grâce à ces opérations locales, Zainabou espère bien pouvoir compter sur la jeune génération pour préserver la biodiversité de l'île. C'est aussi l'un des combats de Yannick Stéphan qui organise des excursions en bateau à la découverte de nombreuses espèces de Mayotte. Je vais me poser 5 minutes là pour vous expliquer un peu comment s'est formé Mayotte, tout ça.
Et là, voilà, ça, c'est une des bouées de réserve de la passe en Est qu'on vient de passer. Donc là, on est en train de rentrer dedans. Vous voyez le corail, la partie verte de chaque côté. C'est le début, on est au milieu de la barrière, là. Protégée par les barrières de corail, qui se reforment plusieurs fois par an, Mayotte arbore en son centre l'un des plus grands lagons du monde. Plus de 760 espèces vivent au sein de ce parc naturel marin. Une faune d'une diversité exceptionnelle. On a tous les habitats possibles pour toutes les espèces. Dans le sud, la barrière est bien fermée, jusqu'à la passe bateau, là. Tout ça, c'est fermé. Ce qui fait que voilà, on a une biodiversité assez exceptionnelle. Hein. On peut croiser toutes les espèces qui peuvent vivre dans cette zone de l'océan Indien. On a à peu près 1000 dauphins long bec, à peu près 500 tachetés. On a un groupe de 400 péponocéphales. Parmi les autres espèces sous-marines de Mayotte, on retrouve des tortues, des raies mantas, mais aussi des baleines à bosse qui viennent au large de juillet à octobre. Une journée parfaite pour observer tous les trésors qu'offre l'île au lagon. L'excursion organisée par Yannick comporte aussi une dégustation de produits typiques de Mayotte sur une plage isolée. Voilà, donc c'est un petit tartare de l'espadon voilier. À la différence des îles voisines comme la Réunion ou l'île Maurice, Mayotte est très peu touristique. Les installations hôtelières y sont encore peu présentes et les vols directs depuis la métropole n'existent que depuis 2016. Mayotte, je ne connaissais pas. Je ne veux pas dire que j'en ai jamais entendu parler. Si, j'en ai entendu parler, mais c'était pour moi pas une île à découvrir. Il y avait plus de publicité sur d'autres, alors que Mayotte, c'est un très beau patrimoine français. Même si c'est qu'un département, bon, c'est loin, mais franchement, c'est très très beau. La richesse sous-marine de l'île participe grandement à l'enchantement de ceux qui viennent jusqu'à elle. Mais depuis qu'il navigue sur ces eaux, Yannick constate pourtant la disparition croissante de certaines espèces. Toutes les petites espèces coralliennes sont en train de disparaître. Le poulpe, quand je suis arrivé, le prélèvement, c'était des sacs de 25 kilos qui arrivaient pleins. Maintenant, les gens ils vont passer la journée sans forcément pêcher un poulpe. Sur cette partie de l'île, on utilise aussi beaucoup le poison. Une plante l'ourouva, une plante tropicale, quand on la pile, ça, on la met dans les trous d'eau, ça tue tout ce qui est animal. Donc ça tue aussi bien les poulpes que les coraux, que les éponges. Si on part de ce principe-là, on tuera tout, quoi. Mayotte compte aujourd'hui près de 40 espèces animales en déclin et presque 50% de sa flore est menacée. Pour sauvegarder cette flore traditionnelle mahoraise, M. Bastia s'occupe du jardin botanique qui regroupe les plantes typiques de Mayotte. C'est le cas du bilimbi ou ourajou en chimaoré, un arbre encore présent dans beaucoup de jardins et toujours utilisé culinairement. Ça, c'est un fruit que beaucoup utilisé dans les cuisines mahoraises. Hein. Et ça est utilisé dans le rumazav. Le rumazav, c'est une sauce simple. Pas trop de tomates, pas trop d'huile, c'est très bon. Sa composition, c'est comme du bonsaï. Une fois taillé, il prend la forme de bonsaï, avec tout autour les fruits, les fleurs. Moi, j'aime bien le garder chez moi ou ici. J'adore ça, le bilimbi. Parmi les 60 variétés de plantes du jardin botanique de Kokoni, on retrouve la vanille, l'arbre à pain et le classique ylang-ylang, utilisé en parfum et qui représentait jadis la quasi-totalité de l'exportation commerciale de Mayotte. Sur l'île, on recense plus de 1300 espèces de plantes, la moitié endémique de Mayotte. Elle n'occupe cependant plus que 5% du territoire, le reste provenant d'espèces exotiques importées par l'homme. Là, on envisage à mettre beaucoup de plants de Mayotte, histoire de les garder ici, de les protéger ici pour que ça ne soit pas en disparition, que les gens puissent venir voir, les enfants, le groupe scolaire, les associations, ils peuvent venir ici pour voir vraiment, voilà notre richesse de Mayotte. Comme tout territoire, Mayotte demande une adaptation.
Si la papaye fait partie intégrante de l'île, sa technique de récolte n'est pas pour le moins dangereuse. Mousseline prend des risques chaque jour lorsqu'il monte à l'échelle, ce qui l'oblige à être constamment accompagné. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Je peux me casser la gueule aussi, hein. Vous voyez, hein, là, ça bouge bon. Mais on prend le risque, hein. Faut ramasser aussi. Il ne faut pas qu'on fasse tomber la papaye. Parce qu'une bonne papaye, quand ça tombe, la partie qui a touché le sol, elle est abîmée. Elle est abîmée parce que ça pourrit. Voilà. Aïe, oh là là, voilà, elle est tombée. Pour Mousseline, la part de difficulté de la récolte est moindre comparée aux problèmes qu'il rencontre pour aller et venir ici. L'état des routes rend le passage difficile, particulièrement en saison des pluies. Ici, c'est très compliqué. Cette partie-là, pourquoi? Parce que ça fait une sorte de cuvette. L'eau, ça se déverse là, ici, ça se déverse là. Et là, ça s'entasse là. Ça fait de la boue. Donc, vous voyez les traces. Moi, j'évite ce trou-là. Pourquoi? Parce que, bon, en saison de pluie, si les roues tombent dedans, rien à faire. Il faut appeler des gens, une vingtaine de personnes, pour me pousser. Pour éviter que le 4x4 ne s'engouffre ou ne se retourne, Mousseline préfère faire le reste du chemin à pied. Mais cela l'oblige à porter sa récolte jusqu'à son véhicule. Une opération laborieuse lorsque les fruits pèsent 2 kg chacun. D'habitude, Mousseline tente de boucher les trous avec des pierres ou de la terre. Mais pour cette année, il envisage une solution plus radicale. La solution, c'est de mettre du béton carrément. Bon, c'est vrai, ça va m'écouter, bon, du ciment, tout ça, mais ça vaut le coup. Au lieu de transporter mes produits, hein, jusqu'au fond, bon, vaut mieux bon, que je mette le paquet là bon, pour refaire ça correctement. Aujourd'hui, le territoire de Mayotte manque cruellement d'infrastructures. Sur l'île, la majorité des agriculteurs ne vivent pas sur leurs exploitations puisqu'elles ne sont pas équipées en eau potable ou en électricité. Ils se voient alors contraints de louer des locaux pour la transformation de leurs produits, lorsqu'ils ne sont pas victimes de vols qui peuvent leur faire perdre la moitié de leur récolte. Mousseline, en tant que président de la Chambre d'agriculture, et malgré la volonté des exploitants, trouve ce frein au développement déplorable. On n'a pas l'eau potable, on n'a pas l'électricité. Vous allez vous mettre dedans comme ça, sans rien pour vivre. Ce n'est pas possible. Je dis souvent, c'est vrai, bon, on a du mal à inciter les jeunes pour nos enfants pour s'installer parce que bon, les difficultés que j'y rencontre, je vais les transmettre à mes enfants. Mais c'est vrai, hein, on souhaiterait que les enfants y viennent, mais bon, avec les moyens quand même convenables pour travailler. En attendant, il faut continuer avec les moyens du bord. Avec quelques pierres à l'arrière du véhicule pour lui donner du poids, Mousseline s'en va arpenter les chemins escarpés de Mayotte. Plus tard, après la pêche, Zainabou et les autres femmes cuisinent le poulpe. Tout le temps, on cuisine ensemble, on mange ensemble. Même si ce n'est pas du poulpe, mais des coquillages, des poissons, on prépare ensemble et on mange ensemble. Quand on parle ensemble, on se donne des idées. Le poulpe ne peut être officiellement commercialisé à Mayotte. Sa pêche est désormais protégée et réservée à l'usage privé. Ici, il cuit dans l'eau pendant 15 minutes, puis les autres ingrédients lui sont ajoutés. On met que du d'oignon et d'épices et de sel, de citron. On l'a préparé traditionnel, comme avant là-bas. Le mélange d'ingrédients qu'utilisent Zainabou et les autres femmes pour cuisiner s'appelle le masalé. Des mélanges déjà préparés sous forme de poudre sont commercialisés, mais ici, elles ne cuisinent qu'avec des produits frais. Je regarde s'il y a du sel et du citron. Et les masalés sont tous complets. Là, je regarde, je vais savoir directement si c'est... C'est bien. Les femmes quittent la plage pour s'apprêter à manger. Les hommes aussi peuvent être de la partie, mais aujourd'hui, ils sont en mer. Dans un moment de convivialité, elles mangeront 3 plats à base de poulpe avec du coco, du curcuma, du citron. Ils seront accompagnés de riz, bananes et manioc. Ça, c'est... On dit à Maorem Tolola. Ça, c'est du banane
et du manioc qu'on l'a mélangé. Dans ce repas traditionnel, il existe quelques règles dans la manière d'associer les plats et les accompagnements. Le poulpe au citron, on le mange avec du riz. Et le poulpe au coco, on le mange avec du riz. Le poulpe au sauce, on le mange avec les bananes. Et si on le mange avec du coco, on ne met pas de piment. Si on le mange le poulpe au sauce, on met du piment. Ou si c'est comme ça, on met du piment. Mousslim, quant à lui, commercialise ses fruits, ses confitures et ses jus dans une boutique à Tsunzhou 2. Il aime toutefois faire les étals de marché, comme celui du lycée agricole de Kokoni tous les premiers samedis du mois. 3,60 €. Depuis chaque mois, samedi, chaque tous les mois, pour le premier du mois samedi, je viens ici pour chercher des fruits frais et tout ça, et puis pour faire sortir une promenade maintenant, quoi. Je lui crois encore. Ça va grouper les gens, sortir un peu l'ordinaire, tout ça, c'est intéressant pour le bowling, quoi. Animer un peu, quoi. Ce marché, connu jusqu'en métropole, accueille beaucoup d'étrangers, même si de plus en plus de locaux le fréquentent. Allez, profitez-en, madame, parce qu'ailleurs, vous ne vous le dites pas, hein. Allez, tu profites. Moi, je viens, oui. Voilà. Ce que nous apprécions beaucoup, c'est que ce soient des producteurs, des gens d'ici, parce que nous recherchons l'authentique. C'est le pourquoi nous venons sur Mayotte. Nous fuyons les grands urbanismes, les grandes localités. Et voilà. Et nous découvrons ce marché pour la première fois. Et je vous avoue que nous avons acheté un panier et il est déjà plat. Mousslim est aujourd'hui accompagné par son fils et il est fier de pouvoir lui transmettre sa passion. Un moyen de faire perdurer le savoir-faire de l'entreprise familiale. Mes enfants, bon, ils s'intéressent à l'activité que je fais. Donc moi, je suis bien content parce qu'il y aura une suite. Vous savez, hein, là, il essaie de faire comme moi, il intéresse les clients, ouais, il fait la dégustation. Et les gens, ils aiment bien ça. Il a vendu pas mal de pâtes de fruits. Hein. Pourquoi? Parce qu'il essaie de faire la même chose que moi, intéresser les clients. Voilà, c'est un point important. Je compte bien sur mes enfants pour continuer cette activité-là. Je peux lui mettre en barquette une tranche. Voilà pour son dessert aujourd'hui. Bon, voilà. Qu'il soit naturel ou culturel, Mousslim et Zainabou essaient de conserver leur patrimoine. Certes, le chemin pour moderniser les techniques agricoles et ancrer la préservation de l'environnement comme un enjeu vital est encore long. Mais l'engagement des Mahorais constitue certainement le meilleur espoir pour ce territoire français vieux de 8 millions d'années. Aujourd'hui, je vous propose un poulpe cuit doucement au poivre de Timut, vierge de crudité et coulis de papaye aux graines de coriandre. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra pour le poulpe 4 tentacules de poulpe, 1 cuillère à soupe de gros sel, 1 cuillère à café de poivre Timut, une carotte, un oignon, thym et laurier, 2 gousses d'ail. Pour la vierge de crudité, 1 demi-fenouil, 2 oignons nouveaux, 1 concombre, 200 g de tomates ananas, une demi-botte de ciboulette, 1 quart de botte de basilic, 1 quart de botte de cerfeuil, 60 g d'huile d'olive, 40 g de vinaigre de xérès, 1 citron jaune. Pour le coulis de papaye aux graines de coriandre, une papaye, 1 demi-citron vert, une demi-cuillère à café de graines de coriandre, 30 g de fromage blanc. Pour la tuile dentelle à l'encre de sèche, 2 g d'encre de sèche, 45 g d'huile d'olive, 10 g de farine. Pour la vierge de crudité, émincez finement les oignons nouveaux et ciselez les herbes. Taillez le concombre, les tomates et le fenouil en petits dés. Réunir tous les ingrédients dans un saladier. Ajoutez le jus du citron jaune, l'huile d'olive et le vinaigre. Rectifiez l'assaisonnement, mélangez et réservez. Avec toutes les parures des légumes, vous pouvez les mettre bien sûr dans la cuisson du bouillon, mais aussi faire un potage de légumes. Placez les tentacules, le sel, le poivre, la carotte, l'oignon, le thym, le laurier et l'ail dans une casserole et mouillez à hauteur.
porter à ébullition, cuire 40 minutes à feu doux, puis laisser refroidir dans le jus de cuisson. Couper chaque tentacule de poulpe en 5 tronçons et les laisser mariner dans la vierge de crudité pendant 1 heure. Si le poulpe n'est pas épluché, la texture sera plus résistante. Éplucher et pépiner la papaye, puis la couper en petits morceaux. Surtout, ne pas oublier de bien récupérer les graines de papaye, les faire sécher et ensuite vous pouvez les utiliser comme une épice. Mélangez la papaye avec le jus d'un demi-citron vert, les graines de coriandre et le fromage blanc. Mixez afin d'obtenir un coulis lisse et homogène. Mixez l'encre de sèche, l'huile d'olive et la farine avec 85 g d'eau. Versez l'équivalent d'une petite louche sur une poêle chaude et sans matière grasse et attendre jusqu'à dessèchement de la tuile. Débarrassez sur du papier absorbant. Dans une assiette creuse, déposez les tronçons de poulpe et les recouvrir harmonieusement avec la vierge de crudité. Disposez la tuile à l'encre de sèche et finissez par quelques points de coulis de papaye. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.